C'est déjà quoi ça, quoi ça? Donc voici ici comme un ancien braqueur. C'est lui ici là. Voilà les coachs que nous avons sur les réseaux sociaux. Il a commencé, le voici ici, peut-être vous ne le connaissez pas, le voici ici. Oh, je suis beau. Les dents même il n'a pas. Même Amé Kamé a les dents à la bouche plus que lui. Amé Kamé a les dents à la bouche plus que le père ici. Voici notre père qui nous insulte ici. Il est parti à la boxe. On a cogné jusqu'à ce qu'il y a la moitié de ses dents qui ont disparu. C'est lui qui vient insulter tout un peuple. Tout un peuple. Si tu as les problèmes avec les gens, tu peux les répondre. Mais tu ne traites pas tout un peuple de sel, de machin, non? Moi là, en tant que Camerounaise, je vais te répondre. Je réponds à mon nom propre, la baronne sous officielle. Tu ne peux pas insulter tout un peuple. Si nous on a des problèmes avec d'autres, on ne va pas insulter un peuple. On va parler à la personne. En tant que Camerounaise, Suisse d'origine Camerounaise, je ne peux pas accepter que tu m'insultes comme de la merde. Excusez-moi de dire ça et j'accepte. Je ne te dis pas deux mots. Je ne te dis pas deux mots, non. Tu ne peux pas insulter un peuple comme ça. Tu ne peux pas insulter tout un peuple comme ça, on te laisse. C'est quoi avec Francis Ngannou? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Voilà les gens, les imposteurs qui sont sur les réseaux sociaux qu'on appelle des coachs. Quand ça les dépasse, ça vient toujours nous trouver. Voilà les coachs que les gens suivent. Les coachs que les gens suivent. Dis quoi ça, quoi ça? Dis quoi ça, quoi ça? C'est toi qui peux parler à tout ton peuple camerounais? Et tu penses qu'on va pas te dire ce qu'on pense? Nous, les Camerounais, là, on a nos différends. On s'engueule. On n'est pas d'accord entre nous. Mais on n'accepte pas que un danseur de quoi ça vient insulter tout un peuple pour pas lui dire ce qu'on pense. Tu n'es pas boxeur, tu es un danseur de quoi ça? Tu veux savoir, tu veux être sûr que tu dis. Attends, je vais te montrer ta boxe. Je vais te montrer où tu danses le quoi ça sur le ring. C'est toi qui viens insulter les Camerounais. Au lieu d'aller boxer, tu viens danser le quoi ça? Il faut voir comment. Le blanc même qui te nappe, il est même comme ça là. Tes muscles remplis de foufou dedans. Tu es musclé comme ça, il n'y a rien. 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 Mais celui qui te bat là, on va voir le blanc là, il est plus mince que moi. Tu es debout avec les muscles remplis de foufou. C'est toi qui viens insulter les Camerounais. Donc on va pas te dire ce qu'on pense. On va te dire ça. Et puis ça ne va même pas bouger. Pourquoi tu as désactivé les commentaires sur ta page? Francis Ngannou. Te voici, tu es comme un braqueur. Hein, tu es comme un braqueur. Moi, je comprends pas. Je dis, tu connais. Et puis je vois des gens qui disent que c'est un coach de vie. Des imposteurs. C'est pour ça qu'on vous dit que, mes chers frères et sœurs, n'écoutez pas tous les coachs que vous avez. Il y a beaucoup d'imposteurs. Oh, c'est lui qui donne les conseils. Oh, c'est lui qui dit qu'il est ceci. Oh, les hommes faites comme ça. Oh, les femmes faites comme ça. Lui-même, là, sa vie le dépasse. Il donne les conseils. Faire quelque chose l'a dépassé. Il a dit qu'il veut déjà faire la boxe. Maman, on le naque là-bas. Il faut voir comment c'est rire. Il est ici, il donne le coup de poing. C'est-à-dire qu'il est ici. Son adversaire là-bas, il donne le coup de poing. Il donne le coup de poing dans le vent. Il tombe encore seul. Dis quoi ça? C'est toi qui peux insulter un peuple? Hein, quoi ça? Tes muscles, c'est de la bouillie. C'est de la bouillie. Tu ne peux pas insulter un peuple. Si on n'est pas d'accord avec toi, tu ne peux pas te mettre à insulter tout un peuple. En tout cas, hein, Lokameni a dit que tes muscles là, tu es entré dans les sectes. Pourquoi te mettre la bouillie dans les muscles pour que tu impressionnes les femmes? C'est ce que Lokameni a dit. C'est notre malam, c'est la malam du Cameroun. Nous là, il y a une seule malam au Cameroun, c'est Lokameni. C'est la malam du Cameroun. Elle dit que tu es entré dans les sectes pour gonfler tes muscles. Papa, donc, tu fais toute la secte là seulement pour sortir tes muscles. Lokameni a dit ça. Quel est tort? Quelle a raison? Elle a raison. Pour une fois dans ma vie, Lokameni a raison. Lokameni a raison. Pour la première fois dans ma vie que je donne raison à Lokameni, c'est avec toi, Jack, quoi ça. Oui. Elle dit que tu es entré dans les sectes juste pour avoir les muscles. Mais moi, je crois qu'elle a raison, hein. Ah non. Jack, quoi ça. Elle a raison. Lokameni, tu as raison. Tu pars dans les sectes juste pour gonfler tes muscles. Et les muscles ne te servent à rien. Tu arrives sur les rings. Un mince what? Un mince, c'est même pas nous. Un mince what te chicote. Et c'est toi qui veux parler à Francis Ngannou. Donc quand tu chicotes jusqu'à. Tu donnes les mawashigeri avec le vent en l'air. C'est-à-dire que toi-même tu donnes le coup, toi-même tu tournes, tu tombes. Tu veux voir ça? Et puis c'est toi qui parles au Cameroun. On va voir ta boxe ici là. On va voir ton niveau. Comment? Et parce que on est calme que tu. Nous les Camerounais là, on a nos problèmes. Il faut dire les vérités. Hein? On a nos différents. Bon, il y a quoi ça? Il y a les églisiens, il y a les hiboux, il y a les ceci, il y a les cela, il y a ceux qui aiment Parapol, il y a ceux qui sont contre Parapol, il y a ceux qui veulent le changement, il y a ceux qui ne veulent pas le changement. Mais quand tu viens insulter tous ces gens-là qui ne sont pas d'accord avec eux, on s'assoit d'abord, on pose nos différends à côté et on te dit notre vérité. Parce que tu peux répondre aux gens qui te parlent mal sur ta page sans indexer tout ton peuple qui ne t'a rien fait. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc, il y a quoi ça? Voilà les coachs de vie sur les réseaux sociaux. Des imposteurs! Des imposteurs qui viennent donner des conseils alors qu'eux-mêmes sont incapables de suivre ces conseils. Est-ce qu'un coach est émotif? Simba, tais-toi là-bas. Si tu t'amuses, je te montre Simba. Simba, c'est mon chien. Même lui, tu ne peux pas le taper. Tu ne peux pas taper Simba. Simba a 70 ans. Simba, mon chien, il a 70 ans. Jack, quoi ça, tu ne peux pas taper Simba. Si tu veux, tu viens chez moi et te montre Simba. Simba te gifle, pam pam, il te pose par terre. C'est le peuple camerounais que tu veux insulter. Que vous avez laissé ci, vous avez laissé là, vous prenez là, vous faites comme ça. Au Congo, on ne se lave pas dans les seaux. Pourquoi vous voulez manquer de respect à un peuple? C'est pas parce qu'on est calme, on a nos différents, hein. Mais d'abord, on va déposer nos différends. Quand tu insultes tout un peuple, on te répond. Ceux qui sont pour le changement, ceux qui sont contre le changement, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, les hiboux, les églisiens, on met d'abord à côté. On s'assoit d'abord, tu nous dis pourquoi tu insultes tout le peuple camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux insulter le camerounais?
Mais c'est comment même? C'est pas parce qu'on s'est laissé aller que vous pouvez venir nous parler comme ça sur les réseaux sociaux? C'est quoi ça? Un imposteur qui dit qu'il est coach, tu viens insulter les gens, tu crois que quoi? On te suit, hein? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu prends les vidéos des gens, tu bavades. Si t'es là-bas, tu t'as dépassé, va travailler. Tu es sur internet pour chercher l'argent. Donc c'est le peuple camerounais ton moins cher. C'est quoi ça? Faut quitter là-bas, tu ne peux pas insulter un peuple. Et on va te dire ça, Aura. Moi, je te dis que le Camerounais que tu vois là, nous sommes, on se niaque sur les réseaux sociaux. Hein? Je te dis bien, dis quoi ça? Dans le Cameroun que tu vois là, tu es jaloux de Nganou Founouti. Nganou, c'est un king. Nganou, c'est le boss. Nganou is the boss. Il est champion UFC, champion de PPL, de ça. Mais c'est le king pour le moment là. Est-ce qu'il peut te toucher? Ça avec un doigt que Nganou te tape sur le type. Regarde, il te montre, t'as pas de combat. Celui qui te naque là, c'est un petit black, un white, il est mince comme ça. On peut gifler quelqu'un comme ça. On va voir, t'as pas de combat. Il donne le coup de poing, ça n'arrive même pas sur l'adversaire, il tombe. C'est lui qui parle de là. L'adversaire là-bas, il donne le coup de poing ici, il tombe lui-même. On peut être faible comme ça. On peut être faible comme ça. Et c'est toi qui viens donner les conseils de boxe. Mais il y a des imposteurs sur la toile. C'est toi qui viens donner les conseils de boxe. Mais on te voit boxer, non? C'est le blanc qui te bat, est mince. Tu es ici, tu donnes le coup de poing. Toi-même, tu tombes sur ton propre coup de poing. Hein? On peut être. Eh non. Mais c'est le couscous que tu as encore, mon petit. Attends. Le voici couché par terre. Il a donné le coup de poing au Watt. Le Watt a seulement esquivé qu'un chien. Il s'est retrouvé au sol. Vous. Y'a quoi ça? C'est toi qui peux parler à nous. C'est toi qui peux parler au Camerounais. Même danser le quoi ça? Non, mais attends. Tu es un boxeur ou un danseur de quoi ça, mon frère? On peut tomber comme ça? Mais on va voir. Non. Et le blanc, on va montrer le petit blanc là. C'est lui qui t'a enlevé l'eau dans la. C'est toi qui viens d'aller. Le blanc est mince comme ça. Tu es là comme un gorille, sorti comme ça avec les muscles pleins de bouillie. Tu viens là. Le gars t'a giflé jusqu'à tu fais les tours. Tu fais les perlots sur toi seul. C'est toi qui viens nous parler. Chouette. Il dit ici. Bonne nuit les amis, priez pour moi avec les toilettes. Il dit que priez pour moi et que les autres prient que l'avion tombe. C'était un petit discuté avec les toilettes pour la première fois. Il appelle les Camerounais les toilettes. Vous imaginez un manque total de respect. Bia, bia, bia. Il t'a appelé combien de fois? Un peu de respect. Même nous là, on veut que ça change. Mais il faut donner un peu de respect. Tu es politicien, tu es quoi? Pour finir, il prend le drapeau ambazonien, il met sur sa page pour choquer les Camerounais et il enlève parce qu'il n'a pas de couilles, parce qu'il n'a pas de force. Il n'a pas de force, il a désactivé tout. Voilà ça sur sa page. C'était sur sa page. Voilà ça. Il traite les Camerounais de toilettes, de ceci, de cela. Bon, on va l'écouter. Il est venu se recycler, coach de vie. Tout un boxeur est devenu coach de vie sur les réseaux sociaux. À bagarrer matin, midi, soir avec nous sur Internet. Papa, quand on a touché les bassins et la bassine, millions de dollars, on ne se recycle pas en coach de vie. On ouvre une bonne société, on emploie les gens, on fait des bonnes choses. On n'est pas sur Internet à commenter le Congo ça avec nous. Dès qu'il y a un Congo ça, tu es dedans pour commenter avec nous. Laisse-moi aussi les petits miettes là, non. C'est toi qui es milliardaire. Tu es milliardaire, mais tu es sur Internet avec nous. Dès qu'il y a un petit Congo ça, tu as mis ta caméra pour aussi gratter les miettes là. Et c'est toi qui nous donne les conseils. Quand un millionnaire milliardaire ne se pavane pas sur les réseaux sociaux, a guetté le Ndiapap avec nous et fait le commentaire. Oui. Un millionnaire n'est pas sur Ndiapap, a dit qu'envoie les étoiles. Un millionnaire n'est pas sur TikTok en train de dire ta photo sur YouTube. Dès qu'il y a un petit Ndiapap, il est assis sur YouTube avec ses aides de parvenir bien arrivé. Oui, mes chers frères, si vous ne comprenez pas, faites comme ça. Maman, les jacuzzi là, nous tous on peut se filmer dedans. On a dormi dedans jusqu'à finir. Tu parles à qui des Camerounais? Les viveurs comme les Camerounais? Je crois que tu ne suis pas bien les Camerounais. S'il y a des gens qui vivent, qui mangent la vie en diaspora, il n'y a pas plus que les Camerounais. Ici, les Camerounais là, en diaspora, il n'y a pas un peuple qui mange la vie plus que les Camerounais. Faut nous respecter. C'est comment?